esprit compliqué parce qu'on a un enseignement qui n'a rien à voir avec le réel tel qu'on le perçoit, que l'intuition nous le fait connaître. Ayant ces quatre choses, on s'aperçoit que ça correspond vaguement à l'expression des Chinois qu'on appelle hexagramme. Vous vous souvenez ? Mais en fait, c'est un digramme ou un diagramme, une ligne interrompue, une ligne non interrompue, le continu et le discontinu. Or, l'univers se présente sous cette forme. Vous allez voir qu'une souffrance physique, c'est une souffrance discontinue, alors qu'une souffrance morale, c'est une souffrance continue. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça que les anciens ont noté tous les aspects de l'existence. C'est pourquoi, si vous ignorez cela, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur des personnes qui vous questionnent. Ça marche ?